la légèreté donc de cette politique spectacle qui n'est pas à la hauteur des enjeux. Et on voit bien que ce cycle de COP en COP, où on revient à chaque fois à faire des grandes promesses de beaucoup de millions et autres, c'est pour ça que je pense que ce n'est que l'émergence d'une exigence collective, une exigence populaire qui fera vraiment bouger les lignes quand les peuples exigeront de leurs dirigeants politiques un autre modèle de développement qui serait en rupture avec celui dans lequel on évolue, parce qu'il n'est pas possible, sans se faire d'illusions, il n'est pas possible de continuer à vivre à 1000 à l'heure et à avoir, avec la mondialisation, les flux maritimes et aériens qui en sont le corollaire. Il est possible d'atteindre l'objectif de moins de 1,5 degré de plus de réchauffement. Donc, c'est pour ça que je salue l'initiative du CAGI, qui doit être partagée par de plus en plus d'associations, de personnes de la société civile, pour exiger que nous passions à autre chose, parce que nous, les petites îles qui sont les plus menacées, je pense qu'on peut servir, on peut par l'exemplarité, si on construit une autre façon de vivre, si on construit un autre modèle de développement, si on ne court pas après les grandes puissances continentales qui, elles, peuvent recourir à la continuité territoriale pour satisfaire éventuellement leur manque de sceaux d'énergie localement, nous, petits États insulaires, petites régions insulaires, nous n'avons pas ces atouts-là et donc il nous faut concevoir un modèle de développement endogène. Et pour nous, nos parents qui ont connu le bail coco pour savon, qui ont connu le troc et qui pourraient inspirer nos dirigeants, je pense que la France devrait plus nous entendre dans une revendication d'un modèle de développement local, mais ça ne pourra pas se faire si nos populations elles-mêmes ne sont pas demanderesses à ces changements et les politiques ne suivent que lorsque ils se sentent menacés, ils sentent que le jeu démocratique aura raison de leur entêtement à faire le jeu du spectacle, de plaire aux médias, de plaire à faire de la communication. Parce que c'est un enjeu vital, comme l'a dit la première ministre de la Barbade, c'est une menace de mort qui pèse sur les petits États insulaires et dont certains sont appelés à disparaître si rien n'est fait. Donc, est-ce que lutter ou militer pour l'adaptation ou l'atténuation des conséquences ou l'adaptation au changement climatique, est-ce que ça doit se limiter simplement à une quête de plus d'argent pour faire autre chose? Moi, je crois qu'on est à la croisée des chemins. Il faut qu'on sache ce qu'on veut. On ne pourra pas, ni avec les énergies renouvelables, ni avec de simples déclamations lors de COP successives, on ne pourra pas endiguer l'inéluctable montée des eaux, l'inéluctable bouleversement climatique. Et une élue de Pointe-à-Pitre a tout à l'heure posé une question, je ne sais pas si elle a été entendue par tout le monde, mais sur la conjugaison de plusieurs risques, et pour nous qui sommes exposés aux risques sismiques, pour nous qui conjuguons tellement de risques, tellement d'aléas, nous ne pouvons pas compter sur des conférences qui sont impulsées par des grands États qui, eux, ont comme seule préoccupation de voir comment on va pouvoir continuer à vivre à 2000 à l'heure en changeant les sources énergétiques pour continuer à faire comme avant. Oh, c'est plus possible. C'est pas possible de continuer à ce rythme et penser que nous allons trouver suffisamment d'énergie dans le soleil, dans le vent, dans la mer ou la géothermie pour continuer à vivre à 2000 à l'heure. Donc, l'élu que je suis, qui suis confronté au quotidien aux attentes, aux demandes des citoyens, alors je vois bien que les gens n'ont qu'à faire, que faire de nos incantations sur il faudra consommer moins d'énergie, il faudra éteindre les lampes quand on change de champ, il faudra pas mettre le climatiseur. Moi, je vois tous les jours des gens se garer dans le parking et quelqu'un, j'ai vu un policier de la ville de Pointe-à-Pitre, ses collègues étaient entrés à la mairie et lui, il est resté dans la voiture à passer des coups de fil, la clim en tournant.
Je suis allé lui dire, mais ça ne se fait plus, quoi. On ne peut pas être dans la voiture, vos collègues sont là-dedans pour au moins 2 heures, et vous êtes en train de passer des coups de fil dans la clim, dans la voiture, derrière, et voilà. Et on voit ça de plus. Rien n'a changé pour la population, rien n'a changé dans le quotidien des gens. Donc c'est de là que je pense qu'il faut agir. Comment faire pour que nous-mêmes, nous sortions de cette boulimie énergétique que provoquent nos modes de vie? Et ce n'est que si nous pensons à un modèle caribéen, un modèle insulaire de développement, se dire qu'on n'a pas besoin d'avoir autant de Mercedes, BMW, de grosses bagnoles. J'ai même un confrère qui se vantait d'aller travailler le lundi en Lamborghini, le mardi en Ferrari, le mercredi en Mercedes et le jeudi en BMW. Donc, fort heureusement, je pense que, on a mis fin à cela aussi parce que c'est un modèle qu'il ne fallait pas donner aux enfants à proximité de l'école de Massabielle, de leur apprendre que c'est comme ça, le bonheur, c'est ça, quoi. Et le bonheur, c'est d'avoir 4 voitures qu'on envoie en révision pour 20 000 euros à Paris, rien que pour le transport. Tout ça, c'est du délire, quoi. Donc, c'est moi, c'est là que je voudrais qu'on puisse orienter nos travails. Je pense que ça ne passe que par les associations, que par les gens de base. Et c'est là que les États vont suivre, c'est là que les dirigeants vont suivre, lorsque eux, ils comprendront que on ne sera pas réélu, le peuple ne demande plus ça. Et donc voilà. Donc je ne voudrais pas que ma contribution soit celle que je pourrais porter, que je portais quand je militais que pour le Yaka Faucon. Aujourd'hui, je suis à la barre et je vois bien que je ne peux pas continuer à juste dire Yaka Faucon. Il faut que je réponde aux besoins des citoyens qui demandent la lumière partout, toute la nuit, tout le temps. Et il suffit que le lampadaire ne marche pas pour qu'on crie au drame. Et on ne mesure même pas qu'il y a certains animaux, certains insectes qui vivent la nuit et qui auraient préféré, eux, avoir moins de lumière. Donc, c'est un autre monde qu'on doit construire pour laisser pour nos enfants. Car à notre échelle, nous aurons le temps de mourir avant que certaines îles soient recouvertes d'eau. Mais si on pense en termes de solidarité intergénération, nous devons impulser ces changements, cette rupture, car c'est une vraie rupture qu'il faut, avec un modèle de développement suranné qui n'est plus d'actualité si on a la perspective de sauver la planète. Je me contenterai de dire ces mots et espérer que des questions vont fuser ici et là et qu'on pourra ouvrir un vrai débat. En tout cas, c'est un grand remerciement que j'adresse au CAGI pour avoir pris cette initiative, puisque vous êtes un peu seul à faire ce travail de popularisation de ces problématiques, mais espérons que, par votre entêtement à faire toujours plus de conférences, plus de webinaires, plus de corps à corps avec les masses populaires, qu'on arrivera à changer de paradigme. Voilà pour les propos du maire de Pointe-à-Pitre. Merci, monsieur le maire. De toute façon, on aura l'occasion de revenir hein, sur un certain nombre d'aspects qui ont été abordés par le maire, notamment l'implication des citoyens. Je crois qu'il a insisté beaucoup sur cette dimension. Et il y a une dimension, je crois, qui est importante aussi, qui avait été posée par Yamid, c'est-à-dire aujourd'hui, la capacité des collectivités à rejoindre le peloton, j'ai envie de dire, des organisations, des États, des petites îles, et qui par conséquent devraient pouvoir apporter un plus à ces actions qui sont menées çà et là. Nous allons passer maintenant à une étape qui est celle de la question des étudiants. Ils ont réfléchi, se sont réunis, et un des porte-parole va être amené à indiquer quelles sont les questions qu'il souhaite poser. Voilà. Alors, la côté de l'espace. Allez. Alors, bonjour, moi je m'appelle Rousse Antoine. Je suis étudiant de licence 2 en sciences politiques. Et à l'aide de mes camarades, nous avons répondu à la question: quel rôle les jeunes peuvent-ils jouer dans la sensibilisation et la mise en œuvre de solutions pour lutter contre les défis climatiques et environnementaux? Alors, lors de la dernière campagne présidentielle, on a bien pu voir que l'écologie est un enjeu majeur, un enjeu international qui intéresse de plus en plus les jeunes. Naturellement, ces derniers sont soucieux de savoir dans quel monde ils vivront dans les prochaines années. Avec l'essor des réseaux sociaux et la multiplication des sources d'information, l'impact des jeunes devient de plus en plus fort, notamment avec des engagements connus comme celui de Greta Thunberg. Les jeunes pourraient, par des campagnes de sensibilisation dans le milieu scolaire ou sur les réseaux sociaux,
par des actions collectives, innovantes, en adoptant un mode de vie durable, en participant à des actions d'initiative locale, lutter contre une mineure partie du changement climatique, mais non négligeable, parce que c'est grand diri qu'a fait sac diri. Mais la majeure partie des solutions à l'échelle du défi qui nous fait face se trouve dans les discussions internationales. Aujourd'hui, trouver des solutions, ce n'est pas se limiter aux conséquences, mais plutôt se pencher sur les causes du changement climatique. Et les causes sont dues nécessairement à des choix politiques. Le combat contre le réchauffement climatique est un combat dans lequel on sait ce qu'il faut faire pour le gagner, mais on ne le fait pas puisque ça ne profite pas aux intérêts de quelqu'un. Il y a des marches pour le climat depuis des dizaines d'années, des actions extrêmes, des actions violentes qui s'attaquent aux œuvres d'art, aux ministères qui bloquent les circulations. Malheureusement, aucune de ces deux modes d'action, le mode plus pacifiste et le mode plus extrémiste, n'a réellement impacté les décideurs afin d'améliorer durablement, rapidement et massivement les conditions de vie des futures générations. Alors, avec les étudiants, nous avons énormément de questions à nous poser, que nous nous sommes posées, notamment la première, celle de la COP28 qui a eu lieu à Dubaï. Alors, lorsqu'on a entendu qu'une COP28 s'est passée à Dubaï, on a ri dans la classe, puisqu'on s'est dit comment une COP28 qui a pour intérêt de mettre en place des négociations avec un sommet environnemental important a pu se dérouler à un endroit aux Émirats arabes unis où la multiplication la multiplication d'investissements dans le pétrole, dans le gaz, ne cesse de continuer et de progresser. Alors, c'est la première question qu'on aurait à poser aux intervenants, s'ils pourraient nous Pourquoi répondre. Dubaï? Pourquoi Dubaï? Pourquoi pas des endroits plus écologiques? Pourquoi pas l'Islande, la Norvège? Pourquoi pas des endroits qui s'engagent véritablement sur le réchauffement climatique? Pourquoi mettre en avant un pays qui... Ah, on dit bon, regarde. Ensuite, les autres questions, oui. Alors, est-ce que le boycott des entreprises des pays pollueurs est réalisable? Boycott des. Les entreprises? Est-ce que les actions individuelles suffisent à compenser la pollution des grandes entreprises? L'État français est-il tenu pour responsable de la pollution de ces multinationales? Je pense à Total ou d'autres. En quoi la croissance démographique peut constituer une menace pour l'écologie? Comment se déroulent les négociations? Et qui sont les acteurs? Et au niveau des acteurs, est-ce que les lobbies peuvent-ils influencer les décisions? Voilà, ce sont nos questions. De très, très, très bonnes questions, à mon avis, qui ont été posées. Comment? Oui, intervenant de répondre. De toute façon, il y a trois répondeurs. Et là, il y a Mid, il y a Sadia, et il y a M. Jurimel. Et tout à l'heure aussi, il y aura Jean-Marie Fauvert de Écolo. Alors, Yamid. Alors, merci beaucoup. Et je suis vraiment contente que les étudiants aient pris la main et participent à cette conversation. Alors, pourquoi la COP à Dubaï? Alors, il faut savoir que la COP tourne au niveau des régions. Donc, chaque année, la COP se trouve dans une région onusienne. Donc, l'année dernière, c'était en Afrique. Et donc, l'Égypte s'est portée. Et donc dans la région Afrique, ben, certains pays se portent candidats. Là, cette année, ça devait être l'Asie. Alors, il faut savoir que le Moyen-Orient est considéré et fait partie de l'Asie. Pendant longtemps, il y a eu une compétition entre la Corée du Sud, qui est un peu plus progressive, et Dubaï, et les Émirats. Et c'est les Émirats qui ont gagné. Ils ont fait un accord avec la Corée du Sud aura l'Expo universelle et eux, ils auront la COP. Alors, je suis d'accord hein, que ça soulève beaucoup de contradictions. Et pour moi, c'était la COP des contradictions.
Et pour moi, le pire, c'est même l'année prochaine, parce que les Émirats ont fait des progrès, en fait. C'est un des pays pétroliers qui a le plus investi au niveau des énergies renouvelables. Il y a eu 35% de croissance. Ils font des choses, mais c'est un pays où la consommation, alors vous parlez de des voitures, c'est, enfin, pour moi, c'était ma première fois à Dubaï et c'était un peu trop. Mais ce sont des pays, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont eu la pression. Parce qu'ils avaient la COP, ils étaient obligés de faire quelque chose de plus qu'ils n'auraient fait. Ils avaient une pression supplémentaire. Et donc, il y a. Et c'est pour cette raison que la communauté internationale avait vraiment peur et se préparait vraiment au pire par rapport aux résultats. On aurait pu aller vraiment dans la direction inverse. Et ça n'a pas été fait grâce aux actions de la société civile. Et ça répond à ma question. Les lobbies, oui, alors il y a les lobbies du secteur privé qui étaient là, hein, en masse, mais il y a eu plus de 600 organisations non gouvernementales qui ont été accréditées et qui, nouvelles organisations qui ont été accréditées et qui ont participé à la COP. Et la société civile, les think tanks, les laboratoires, tout ça, font de la pression. J'en ai fait partie et il y a une manière, et ça se passe surtout avant la COP, pas durant la COP. Mais il y a des contradictions. Et je pense qu'il faut vraiment, de toute façon, il faudra mettre la pression sur les pays pétroliers. Il faudra mettre la pression sur Total. Est-ce que la France fait suffisamment sur Total? La grande question et la grande pression qui a été faite aussi, c'est cette question de poids de mesure. Pourquoi il n'y a pas de taxes? Pourquoi les compagnies pétrolières ont fait un maximum de profits, mais ces 2 dernières années, et qu'il n'y a pas de redistribution? C'est ça la justice climatique. Pourquoi il n'y a pas de redistribution de la richesse engendrée, surtout qui décline de toute cette pollution? Donc il faudra pousser. Le système français. Il y a eu des assemblées dites démocratiques qui ont été organisées. Une des architectes de l'accord de Paris, c'est Laurence Toubiana, qui avait organisé un certain nombre, il y a de processus participatifs. Il faut plus dans ces processus participatifs. Je ne pense pas avoir vu l'outre-mer, malheureusement. Lorsque même l'accord de Paris, pendant la présidence française de l'accord de Paris, l'outre-mer aurait pu être même encore plus impliqué. Et comme il a été dit par notre maire, les îles, ce sont des foyers d'incubation, d'innovation qui peuvent être répliqués à plus grande échelle. Et ce sont des grands États océaniques aussi. Ce sont peut-être des petites îles au niveau territorial, mais au niveau océanique, nous sommes de grands États. Et il y a des enjeux aussi économiques à ce sujet. Donc, il faut aussi prendre conscience de notre force et créer ce genre de coopération avec nos voisins. Les îles savent très bien que toutes seules, une île toute seule n'ira pas très loin, hein, dans le système pour forcer les choses et pour forcer les grands pays. C'est pour cette raison que il y a toutes ces associations, toutes ces alliances qui sont vraiment importantes. Et quelle serait notre part, comment on travaille avec eux et on bénéficie justement des leçons, des meilleures pratiques. Parce que, comme monsieur le maire nous l'a dit, on a des pratiques, même d'antan, on a des pratiques ancestrales qu'on peut utiliser. Donc, il n'y a pas que la technologie, hein. On est très bien placé pour pouvoir allier technologie et pratiques ancestrales pour non seulement pour les résultats qu'on veut avoir, mais aussi même pour ne pas dépendre
au niveau de moyens de mise en œuvre, pour ne pas juste dépendre ou de la France ou de l'Europe ou des organisations financières. Il faut qu'on puisse développer une indépendance, une indépendance aussi financière. Et je le dis parce que même si il n'y a pas assez peut-être de fonds pour pouvoir, voilà, on a fait, Sadia a montré les chiffres, hein, il n'y a on ne mobilise pas assez, ce qu'on mobilise pour la guerre en Ukraine est ridiculement. On ne fait même pas 1% de ce que, de ce qu'on pourrait investir pour les guerres, pour le climat, on ne le fait pas. Mais même quand on n'a pas assez, les îles n'arrivent qu'à, il n'y a que 2% des flux, de tous les flux qui existent au niveau du climat, qui atteignent, qui arrivent dans les îles. Donc, il y a un problème même d'accès. Donc, même quand il y a l'argent, on n'arrive pas à y accéder. Donc, ça, c'est aussi très, très important. Et donc, du coup, il faut qu'on trouve des astuces financières, il faut qu'on recourt à des principes de coopérative, de tontine. Il y a beaucoup de choses qu'on devrait essayer de faire, mobiliser. Il n'y a pas que des philanthropies étrangères. Quelles pourraient être nos philanthropies? Peut-être mettre en place des philanthropies guadeloupéennes, caribéennes. Comment créer justement un nouvel état d'esprit beaucoup plus solidaire, pas seulement quand il y a qu'on est en état de crise, mais solidaire, pas seulement en temps de crise, mais pour la prospérité justement, et avant même cette prospérité, pour la survie. Et pour le bon vivre, et pas le bien, hein, le bon vivre de notre société. Merci donc à Yamid pour cette réponse. Alors, est-ce que Sadia et Monsieur le maire, vous avez quelques éléments à apporter? Sadia? Tire pas trop. Oui, je veux aussi vraiment remercier l'étudiant qui a posé ces questions très pertinentes au nom des autres étudiants, parce que c'est vrai que ce sont des questions de société, ce sont des questions importantes, ce sont des questions qui concernent les jeunes, parce que c'est la génération qui va devoir, qui sont les leaders de demain. Et je remercie aussi Monsieur le maire pour son intervention. Et cet appel à plus de sobriété. Et comme tu l'as aussi indiqué, Yamid, le fait que nous ne sommes pas, comme j'aime dire, nous sommes vulnérables en tant qu'île au changement climatique, mais nous ne pouvons pas nous permettre de prendre une position victimaire. Parce que nous pouvons avoir un certain leadership. Nous avons un territoire qui peut être, comme tu dis, un incubateur de solutions déjà pour nous, un terrain d'expérimentation, parce que c'est de cela qu'il s'agit. On parle beaucoup de solutions, quelles solutions pour tel problème. Des fois, il faut déjà se demander quelles sont les bonnes questions à se poser avant de courir vers des solutions. Et pour ça, il faut aussi accepter d'expérimenter, de tester, d'essayer. Et je pense que la taille de notre territoire, notre histoire aussi, parce que la résilience, ben, on connaît un bon bout à ce sujet. Et ça se manifeste aussi ben, par notre culture, par des choses qui nous sont propres et qui nous habitent. Donc, je pense qu'il faut aussi puiser dans tout ça, parce que là, on parle effectivement d'un changement, d'une transformation sociétale qui passe par un changement de comportement, voilà, qui prendra du temps, qui passe par la sensibilisation, qui passe par aussi se réapproprier des choses qui sont en nous, aller vers de l'innovation et de la collaboration. Mais on parle aussi à ce niveau-là de pouvoir inventer un nouveau futur et de se projeter dans un espace-temps dans lequel on ne s'est jamais projeté. Et on est quand même un peuple qui vit plutôt dans l'immédiateté. Et là, on a le challenge de devoir essayer de répondre à des défis d'aujourd'hui, qui auraient dû avoir trouvé réponse hier, mais en même temps de concevoir, en tout cas de donner des routes
des futurs possibles pour des horizons temps assez lointains, 2050, 2100, donc pour des générations qui ne sont pas encore nées. Et par rapport à cela, ce que je voulais dire, c'est que l'action individuelle est importante, mais je pense qu'il ne faut pas non plus accabler les individus et les citoyens. Oui, il y a un changement à opérer. Oui, il faut changer les comportements. On sait que ça prend du temps et qu'il faudra sensibiliser. Je suis tout à fait d'accord que les associations ont un rôle important à jouer. Donc, il faut les armer, leur donner des techniques de plaidoyer pour pouvoir porter au niveau de l'espace politique des revendications, faire entendre leur voix. Mais il y a aussi, alors je parle surtout pour nous, puisqu'on est, qu'on le veuille ou pas, dans l'espace européen, un certain boycott, et c'était la question de, excuse-moi, Antoine, des entreprises aussi qui peut être fait. Et je pense que le système bancaire, par exemple, qui finance énormément, j'ai plus les pourcentages, mais enfin, qui est le financeur des industries des industries fossiles, pardon. Le système bancaire, on a aussi des moyens de pouvoir influer, ben déjà en choisissant où mettre notre argent, en choisissant des banques qui sont peut-être plus vertes, qui œuvrent dans, qui mettent notre argent pour des projets. Qui vont vers le développement durable, qui vont vers des actions climatiques. Et voilà, regardez aussi en tant que consommateur où on met notre argent. Donc ça demande évidemment, c'est du boycott, mais ça demande d'abord une sensibilisation. Et puis pour la question sur la croissance démographique, alors ça, c'est une question qui est souvent posée, et souvent posée par les pays de l'Ouest, les pays occidentaux, les pays les plus riches, pour en gros balancer la responsabilité et la faute aux pays en développement et notamment l'Afrique, puisque c'est le continent qui aura une croissance démographique le plus fort dans les prochaines années. Et j'ai envie de dire que ça, c'est vraiment un faux problème. C'est ne pas répondre à la question cruciale. Comment on transforme nos économies, comment on va vers plus de sobriété. Là, pour prendre l'exemple de l'Afrique, c'est un continent qui, oui, qui a une forte croissance démographique, mais c'est un continent qui a de vastes étendues de terre et qui est très, très peu dense. Donc, la question démographique n'est pas un problème, notamment par rapport à cela, mais aussi par rapport au fait que c'est un pays, c'est un continent dont les 60% de la population actuellement à moins de 25 ans. Donc, c'est un pays qui est riche de sa jeunesse et qui pourra aussi contribuer par de l'innovation, par du leadership aux solutions climatiques. Donc, voilà, il ne faut pas détourner le sujet en évoquant en montrant un éventail qui finalement Distraction aussi. des armes de distraction massive. Merci, Monsieur Flower. Merci, merci donc, Sadia, pour cette réponse. Alors, avant de passer la parole à Jean-Marie, je voudrais donner l'avis de quelqu'un qui est sur Internet. Il nous dit: je suis d'accord avec Monsieur le maire pour les actions populaires et éco-citoyennes, mais il faudrait être informé, mais surtout que tout le monde participe. Les élus ont une part importante. Une autre intervention, merci pour cette présentation et pour les perspectives de s'inspirer des meilleurs aspects des modes de vie caribéennes qui impliquent des remises en cause d'une économie beaucoup basée sur les échanges internationaux de marchandises et de personnes. À propos du décalage et de l'injustice entre pays qui sont à l'origine du dérèglement climatique et pays ou territoires qui en subissent les conséquences, cela rappelle, il est important de nuancer ce qu'on entend par anthropocène. Pour ma part, j'ai choisi de parler de Babylonocène avec un clin d'œil sur la chanson de Babylon System de Bob Marley. Voilà. Donc. Alors, juste avant de passer la parole à Jean-Marie et Fleur, je vais passer la parole à oui, il faut qu'elle soit là, à Myriam Eluter, qui est, disons, l'animatrice du groupe développement durable du Coreca. Et qui, par conséquent, a aussi une intervention et des questions à poser. Voilà.
Myriam Éluter. Donc, une question venant des membres du groupe de travail développement durable du Coreca. Et une réflexion également sur l'intégration, les mécanismes d'intégration dans la Caraïbe. On peut dire vraiment que ce sont des organes qui s'intéressent, qui s'impliquent dans cette question du changement climatique et qui laissent une place forte à la société civile. Je veux parler bien sûr du sommet du développement durable de l'OECS, mais également de la Caribbean Studies Association qui réunit des étudiants, mais également des enseignants, la société civile, pour justement, ce sont autant de lieux où on peut venir relater les expériences, les initiatives de terrain. Et leur objectif, hein, la CSA organise son 50e anniversaire hein, cette année, en juin 2024. Et l'objectif de ces rencontres, c'est de pouvoir créer un groupe de travail émanant de la société civile, qui pourrait être force de proposition. Donc vraiment, aujourd'hui, on se pose beaucoup la question, comment on peut jouer dans la définition de ce fonds pertes et dommages, comment la Caraïbe, comment ces organes d'intégration peuvent apporter leur réflexion de terrain sur la question du changement climatique. Donc nous, en tout cas, en tant que société civile, on essaye de participer, on essaye d'aller apporter la voix de la Guadeloupe. C'est une façon pour nous aussi de contourner parfois certains obstacles. Voilà, donc pour dire qu'en tout cas, la société civile participe grâce aux mécanismes d'intégration qui sont prévus par la Caraïbe. Et juste une question, en tout cas, pour compléter, ce fonds pertes et dommages, enfin, vous nous avez expliqué un peu comment la CARICOM intervient, etc. Mais est-ce que les organes de la Caraïbe, d'intégration de la Caraïbe, ont une place forte dans la gouvernance de ce fonds qui enfin, j'ai l'impression que c'est un fonds complémentaire qui vise à assurer post-dommage. Est-ce que c'est bien comme ça qu'il faut le comprendre, ou est-ce que c'est un fonds qui intervient également en amont du dommage? C'est une deuxième. Voilà. Donc c'est vraiment comme un fonds assurantiel, quoi, comme un fonds assurantiel. Donc aujourd'hui, est-ce que ce fonds, quelle gouvernance, hein, comment les organes d'intégration participent à la gouvernance de ce fonds pour savoir ben, comment on pourra y accéder? Voilà. Les questions que nous avions à poser. Merci Merci. donc pour cette question. Alors, avant de répondre sur la question de la gouvernance du fonds. Je peux aussi répondre après ajouter à Oui, Sadia. Sadia, vas-y. tu peux aussi y aller, mais en fait, la gouvernance du fonds a été définie justement dans cette décision. Tu vas compléter Yamid, et donc il y a différents. En fait, l'instance de gouvernance va être constituée de différents pays qui sont sélectionnés. Alors, c'est pas les pays ne sont pas identifiés de façon nominative, mais c'est des groupes régionaux qui sont identifiés. Donc, en tout, si je ne me trompe pas, Yamid, il y a 26 membres, dont 12. 24 plus 2, 2 24 qui sont, je crois. plus 2, je crois que 12 à peu près sont de pays En dé... développés. Et les restes sont voilà, répartis sur des pays. Alors, il y a des îles qui ont deux sièges. Il y a les pays les moins avancés, donc ce groupe de pays considérés un peu moins développés, j'aime pas trop ce terme, mais que les autres, Oui. voilà, moins riches, qui a je ne sais plus combien de sièges. Et voilà, donc c'est une répartition comme cela qui se fait, mais la composition de cette gouvernance est déjà établie. OK. Alors, Oui. ce que je peux ajouter pour revenir à la question aussi, c'est que, en tout cas, enfin, la fondation dans laquelle je travaille se rend bien compte, nous avons beaucoup supporté, en fait, supporté certains participants du Sud pour justement aider à la mise en place, à l'opérationnalisation de ce fonds. Donc, la possibilité justement de pousser un maximum pour quelque chose d'assez juste.
le co-chair et certains représentants justement des îles ont été supportés. Ils ont besoin de capacités, hein, puisque ce sont des choses qu'ils font en plus de leur boulot. Oui, il y a du soutien justement à faire en l'occurrence. Il y a des... Pour que ce fonds puisse répondre de manière anticipatrice, et des réponses après événement, et pour que les fonds puissent en fait arriver aux communautés qui ont un rôle majeur, hein, qui sont les plus efficaces, il faudra tenir compte des pratiques et des leçons. Et c'est pour ça que en dehors de ce fonds, il y a des initiatives, par exemple, dans le Pacifique. Ils ont mis en place, ils ont aussi créé, ils ont lancé à la COP un fonds pour les îles du Pacifique qui est géré, qui est gouverné par les communautés. Donc, ce n'est pas juste les nations, par les communautés. Il y a aussi une initiative des jeunes, de jeunes, pour justement supporter des projets. Il y a différentes initiatives, en fait. Tout ça pour dire qu'il y a différentes initiatives, et il doit y avoir un moyen pour qu'on apprenne de ces initiatives, puisque sinon, il est possible de reproduire juste ce qu'on a fait avec d'autres fonds. Et donc voilà, donc ne pas juste tenir compte. Juste tenir compte de ce qui va se passer dans ce fonds. Ils ont besoin de propositions, justement, de la société civile. Ils ont besoin aussi d'incubation, hein, de tests, de tester, justement, comment ça peut se faire à un niveau un petit peu plus local ou plus régional. Donc voilà. Donc je voulais juste insister sur cette dynamique, que voilà, comment la société civile à ce rôle, parce que c'est vraiment important de l'impulser plus que jamais, en fait. Bien, merci donc. Nous avons des questions qui viennent du public, là, oui. Michel Maxo, le département d'outre-mer étant français, le fonds pour l'adaptation au changement climatique peuvent-ils être versés directement alors que la France y existe, elle est là en tant qu'État? Autrement dit, est-ce que on peut contourner l'État pour arriver directement aux collectivités et aux communautés? Alors, Une vraie question. c'est une vraie question et c'est une question qui nous concerne. Alors, pour le moment, les critères d'éligibilité ne sont pas définis, mais il y a de fortes chances, malheureusement, que notre statut ne nous permette pas d'accéder à ce financement, puisqu'on fait partie de l'Union européenne et que ce sera un financement alloué aux pays et aux communautés, enfin, aux communautés et aux pays considérés comme en développement. Donc voilà. Yamit, je ne sais pas si tu veux. Non, tu as tout à fait des raisons. Déjà, même pour ce fonds, le fonds des pertes et préjudices, ça va passer par des États. Et une des questions et une des raisons pour lesquelles les organisations philanthropiques ne sont pas venues pour apporter pour ajouter à ce fonds leur contribution, c'est parce qu'elles veulent voir de quelle manière on peut faire en sorte que les États les fonds des États soient déployés aux communautés et à la société civile qui vraiment agit en conséquence. Et il y a de forts risques que ça ne se fasse pas. Donc, même si on ne faisait même pas partie de la France, donc ce que, en dehors de ce fait, même les communautés même au niveau local risquent de ne pas voir nécessairement cet argent. Donc, c'est une grande question. Et justement, on a besoin de la société civile pour venir avec des propositions qui proposent comment justement on peut le faire ou s'il doit y avoir une fenêtre dédiée dans ce fonds qui aille directement, qui ne passe pas par le gouvernement et qui aille directement à des organisations plus locales.
Et puisque même dans d'autres pays qui où il n'y a pas il y a moins de démocratie, il y a des organisations qui ne vont jamais être supportées. Et donc c'est pour cette raison qu'il y a cette question justement de justice au sein justement de l'accès à ces fonds. Et donc c'est pour cette raison que j'insistais sur le fait de pouvoir créer des incubateurs. Donc, comme l'a fait les pays du Pacifique n'ont pas attendu que ce fonds se fasse pour aussi créer, en marge de la COP, un fonds justement régional du Pacifique, à l'instar, qui impulsé par la société civile, des pays du Pacifique. Et l'idée, c'est que cette initiative soit répliquée aussi dans la Caraïbe, en Afrique. Et donc voilà, donc il faut justement venir avec cet état d'esprit d'incubation et de porter des projets et voilà. Alors, dernière question du public. Hein, alors, je demande rappel des acronymes. Alors, ça veut dire COP. Qu'est-ce que ça veut dire? Acronyme de quoi? Alors, c'est un acronyme anglais qui veut dire Conference of Parties, mais traduit en français, c'est la conférence des parties. Donc, c'est la conférence des parties signataires de la convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Et voilà, donc c'est l'instance qui réunit les États annuellement et pas que pour négocier et discuter des orientations à donner sur le climat. Houses. Voilà, donc ça c'est aussi un autre acronyme. Alors il faut savoir que dans cette sphère de discussion multilatérale, il y a beaucoup d'acronymes. Et donc c'est pour ça aussi, je pense, que c'est pas toujours digeste, l'information qui sort de ces discussions n'est pas digeste pour le grand public parce qu'il y a des jargons, il y a des acronymes, voilà. Donc pour revenir à EOSIS, c'est Alliance of Small Island States, donc c'est une alliance des petits États insulaires et donc c'est une alliance politique, stratégique pour pouvoir porter aux plus hautes instances internationales des revendications communes que les petits États insulaires ont. Et c'est une force, en fait, c'est un groupe de négociateurs, on en a parlé un peu plus tôt, très important dans les négociations du climat, mais pas que, puisqu'ils interviennent aussi dans d'autres négociations sur le commerce et dans d'autres instances, mais c'est une force de négociation importante. Alors, ces questions pour Yamid. Présentation de Open Society Foundation. Donc, le Open Society Foundation, c'est une organisation philanthropique dont la mission est surtout basée sur les droits humains et la démocratie. Vraiment, les sociétés vibrantes pour créer un espace ouvert, justement, la liberté d'expression, la protection. Et elle s'est rendue compte, qu'elle ne pouvait pas justement atteindre cette mission sans tenir compte des changements climatiques, puisque les droits à la prospérité sont des hommes sont justement ne sont pas ne peuvent pas être mises en œuvre si on ne tient pas compte de ces considérations. Et c'est pour ça qu'on travaille sur la justice climatique. On met la question de la personne humaine plus au cœur du débat et justement de travailler sur les questions qui étaient un petit peu oubliées, donc la question de résilience, insister sur les communautés plus vulnérables. La question de la protection. Alors oui, on veut que la société civile s'oppose à des sociétés privées, à des compagnies pétrolières, mais ces sociétés civiles se retrouvent justement menacées. Il y a de plus en plus d'activistes qui sont tués, en fait. Et donc, il y a ce genre de considération, donc de protection, protection légale, protection financière. Donc, ce sont des choses comme ça sur lesquelles on se mobilise. Et la transition juste en fait partie également. Alors, une question, c'est au maire de Pointe-à-Pitre, maire Lapointe, l'élection partira au sort, qu'en pense-t-il?
Élection pour tirer le sort. Ouais. J'ai fait, ouais, j'ai tiré le sort. Non, mais c'est plus l'élection. C'est une élection. Voilà. Mais Voilà. moi, je n'ai pas très bien compris la question. Élection pour tirage au sort, ça, en tout cas, moi, je perçois comme la question de l'efficience du jeu démocratique. Parce que si on considère que le vote ne nous permet pas d'atteindre les objectifs, ce que suggère cette question, c'est que peut-être qu'il faudrait faire un tirage au sort. Moi, je ne suis pas d'accord. C'est le hasard va nous faire apparaître. N'importe qui pourra être élu si on fait du tirage au sort. Moi, ce que je voudrais, ce sera que lorsque les élus comprendront qu'ils ne sont élus que si ils ont des réponses aux enjeux de notre temps, est-ce qu'ils participent à la campagne en vue de l'atténuation ou de l'adaptation au changement climatique, eh bien là, les élus prendront ça en considération. Mais aujourd'hui, ils comprennent bien que les masses populaires s'en fichent et que, au contraire, la demande est à plus d'énergie fossile, plus de gaspillage, toujours plus, toujours plus, toujours plus. Donc, on voit bien que dans les politiques publiques locales, il n'y a pas une demande majoritaire de sobriété. Il y a une demande de plus d'énergie, de plus. Il faut qu'on soit comme tout le monde, il faut qu'on ait tout comme tout le monde. Et même les jeunes, avec l'émergence des jeunes, on voit bien que la dématérialisation et le recours systématique aux réseaux sociaux, à toutes les machines, à l'intelligence artificielle et tout ça, tout cela participe aussi au réchauffement climatique. Donc, c'est une vraie révolution qu'il faut. Hein. Le mot, il faut le lâcher. Hein. Il faut une rupture avec un système. C'est pas progressivement. On voit bien que toutes les belles déclarations qui sont faites ne sont faites que pour être dans le tempo, pour parler, pour bien parler. Mais il faut que les populations comprennent que la survie de nos territoires est en jeu. Donc, il faut crier fort aux élus. Voilà, si nous ne voulons plus de boulimie énergétique. Oui. Ah, Ni provocation, d'accord. ni attaque. Le tirage de sort. Donc, non, ce qui est dit aussi, c'est que si on prend un panel suffisamment large de personnes, justement, c'est pas normal. Ça va tisser un peu les raisons du genre de. Ça s'appelle une convention En fait, citoyenne. non, en fait, Ça existe non, déjà. mais voilà, c'est sur l'idée. Exactement, merci. Ça avait à la question, comment on est une fois, on a vu, on n'a pas montré cette idée que nous avons. Donc, peut-être ça permet aussi d'avoir une meilleure compréhension du problème que nous D'accord. avons. On sait que quand on va décider, soi-même, Oh, la personne qui a posé la question a tenu à préciser que bon, l'idée, c'est un peu de lisser la représentation. Et notamment, il a évoqué la question du mandat unique, indiquant que bon, ben, avec le mandat unique, au moins, on n'aura pas en charge les problématiques liées à l'élection. Alors, j'avais dit que c'était la dernière, mais une dernière. Comment ce fonds pourrait-il contribuer à un réel développement des énergies renouvelables? Mais le fonds, vous parlez du fonds des pertes pour les pertes et préjudices. Oui. Est-ce que Ben, le fonds est ben, il y a destiné d'autres fonds. à un réel développement des énergies renouvelables? Indirectement, mais le fonds pour les pertes et préjudices vise aux efforts pour faire face. Ou bien Pour construire. anticiper les, oui, pour anticiper les impacts, pour s'adapter peut-être éventuellement mieux et pour surtout faire face aux dégâts, à la perte, aux pertes de ressources dues aux dégâts, des changements, climatiques. Il y a d'autres sources de fonds, pour les efforts sur l'atténuation. Donc, il y en a beaucoup plus en fait. Je pense que peut-être une cartographie des fonds qui existent pourrait être intéressant, mais ce nouveau fonds a d'autres objectifs. Je ne sais pas si Sadia voudrait ajouter quelque chose. Objectif du fonds.
Oui, enfin, je n'ai pas grand-chose à rajouter. Je pense que Yannick l'a bien dit, ce fonds-là n'est pas dédié à soutenir les énergies renouvelables ou toute action visant à être dans voilà, une tendance de contribution à l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre. Par contre, il y a le Fonds vert pour le climat qui a été établi il y a déjà quelques années, qui est le fonds qui peut soutenir ces demandes. Encore une fois, c'est un fonds qui est dédié aux pays en développement. Il y a de grandes discussions sur aussi permettre à des acteurs infranationaux d'accéder directement à ces financements, mais c'est un fonds qui est justement mobilisable pour des actions d'atténuation, notamment pour un transfert de technologie et pour s'approprier des moyens de mettre en place une énergie renouvelable, des énergies renouvelables sur un territoire. Merci donc, Sadia. On va donc passer la parole à Jean-Marie Flower qui va donc au travers de l'ensemble des propositions entendues, des débats, nous donner un peu son avis sur aujourd'hui l'urgence climatique. Et j'insiste bien sûr, l'urgence. L'urgence. Alors, ben, merci d'abord, merci au CAGI, merci à l'Université des Antilles et merci à tous les intervenants hein, pour la qualité de leurs interventions. Beaucoup de questions ont été posées, alors je ne pourrais pas forcément répondre à tout parce que j'ai peu de temps, j'imagine. Mais déjà, je voulais faire un premier point de vigilance sur justement la différence entre un symptôme et un syndrome. Moi-même, hein, je l'ai précisé ce matin, mais finalement, le dérèglement climatique, c'est peut-être beaucoup plus un symptôme de quelque chose qui est beaucoup plus vaste, qui est lui un syndrome, qui correspond en fait à notre façon, à notre rapport à nous, l'humanité, à notre environnement. Et considérer justement que le changement climatique n'est qu'un symptôme, ça oblige à se demander de quoi est-il un symptôme? De quel syndrome exactement? Et en fait, la réponse, on l'a à peu près depuis 2009, hein, avec des études qui ont été menées sur les frontières planétaires. 9 frontières, qui sont des seuils d'utilisation de ressources, de pollution et autres, à ne pas dépasser si on ne veut pas compromettre l'habitabilité de la planète. Et le climat, c'est une, seulement une de ces 9 frontières. Et malheureusement pour nous, non seulement nous avons dépassé cette frontière, mais nous en avons dépassé 5 autres. Donc 6 sur 9 sont dépassés. Parce que le problème est bel et bien systémique. Donc, ça n'invalide pas ni la COP, ni la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, mais ça amène à relativiser les choses. Et par exemple, je vais citer, bon, alors de mémoire, hein, je vais résumer l'article 5 de cette Convention cadre des Nations Unies, qui dit en substance que les réponses qui vont être adoptées suite aux travaux du GIEC, suite à l'acquisition de connaissances sur le changement climatique, eh bien ces réponses, qu'il s'agisse d'adaptation ou d'atténuation, eh bien ne doivent pas compromettre ni la croissance économique, ni le commerce international, etc., etc. Donc en fait, on est verrouillé dès le départ. Le cadre dans lequel se déroulent les COP, eh bien, c'est un cadre où finalement, on ne peut qu'aménager le système à la marge et absolument pas le transformer de façon profonde, de façon radicale, de façon disruptive. Et les COP qui se déroulent au moins depuis 2009, où je les suis de façon très très proche, mais même avant, eh bien, c'est une excellente démonstration de ça. C'est-à-dire, elle démontre très bien ce qu'on ne peut pas faire. Par contre, ce qu'on peut faire de plus pertinent, de plus inspirant, c'est hors des COP. C'est au niveau des États et puis c'est au niveau également des communautés, on l'a dit, des territoires qui exercent une certaine souveraineté. Alors, voilà, c'est des groupes de population qui sont beaucoup plus réduits que les 8 milliards que nous sommes sur Terre. Ça va de quelques milliers à peut-être quelques dizaines allez, quelques millions peut-être. Je ne sais pas quel est le plus grand petit État insulaire,
Mais je pense que la Gambie, par exemple, qui n'est pas un État insulaire, est beaucoup plus petit que certains États insulaires. Et la Gambie, pourquoi je cite la Gambie? Eh bien, c'était l'un des seuls pays à être aligné avec les objectifs de l'accord de Paris, avec ses propres politiques nationales. Pourtant, qui en parle? Quasiment personne. Donc, en fait, les COP, elles ont pour, si on doit tirer un bilan pour les territoires insulaires, c'est au moins qu'elles ne permettent pas de reculer. Il y a une sorte d'effet cliquet, justement, qui a été, ça a été rappelé par Yamid Daniette et puis d'autres encore, parce qu'il y a un lobbying, il y a une vraie pression des populations, des communautés, des États vulnérables, pour que précisément on fasse un petit peu attention à eux. Mais c'est à peu près la seule chose, la seule, qu'on puisse espérer des COP. Quand bien même il y aurait, je mets tous les guillemets, un gouvernement mondial avec un seul pays qui décide, enfin, voilà, qui déciderait, on sait très bien, on voit bien les grands pays comme la Russie ou la Chine ou les États-Unis, qu'il y a des différences de traitement dans les populations d'un seul et même pays. Donc, ça ne serait pas nécessairement la solution. Par contre, de décentraliser les solutions pour qu'on parle vraiment, qu'on remette en question nos priorités, nos valeurs, comme par exemple, est-ce qu'on privilégie le court terme ou le long terme? Je pose ça à dessein parce que les peuples racines, les Kalinago, même les Nagmaro, dans notre histoire, ils étaient peut-être plus soucieux du long terme que du court terme. Autre question, est-ce qu'on peut toujours poursuivre dans la croissance des flux de matière, d'énergie, ce qu'a rappelé Harry Durimel, ou est-ce qu'on s'engage vraiment pour un déclin, une baisse de ces flux de matière et d'énergie, qui, en théorie, est plus facile à réaliser sur les îles, puisque les îles ont des portes d'entrée qui sont réduites. Il y a un port, un aéroport, où, voilà, c'est l'un ou l'autre, ou les deux, de ces infrastructures. Ce sont des vraies questions auxquelles on ne peut répondre que de façon collective. Et collective, ça ne veut pas forcément dire de la manière démocratique, avec la démocratie représentative, avec les élections. J'ai parlé tout à l'heure de convention citoyenne, parce que c'est aussi, par le tirage au sort, une manière de faire accéder un certain nombre de citoyens, on l'espère les mieux informés possible, eh bien, à des instances de décision. Simplement, pour terminer, on est au mois de janvier 2024, donc c'est encore la période des vœux. Eh bien, que nos résolutions, on remplace le S par un V, soient des révolutions. Alors, on ne pourra pas faire la révolution dans tous les domaines de notre vie, mais au moins dans un ou deux domaines. Ça peut être l'alimentation, ça peut être le transport, ça peut être notre usage des technologies, ça peut être notre habillement, quel que soit le domaine. Que là, au moins, nous prenions vraiment une révolution. C'est-à-dire qu'on renverse la table, qu'on renverse complètement l'ordre de nos priorités. Ça sera peut-être le début de quelque chose qui sera vraiment intéressant, non seulement pour les petits États insulaires, mais qui servira aussi d'exemple et d'inspiration pour bien d'autres territoires, sur cette planète. Merci. Merci donc à Jean-Marie, merci pour cette contribution. Je crois que nous sommes arrivés au terme. On va donc mettre un terme à ce webinaire. Je voudrais remercier d'abord nos intervenants, en l'occurrence Yamid Daniel, remercier Salzia Ndoko, remercier le maire de Pointe-à-Pitre, remercier aussi Jean-Marie, remercier Myriam et tous ceux qui ont participé, soit en direct dans cette salle ou alors par Internet à ce moment important. Aujourd'hui, certes, on a posé les problèmes, il y a des remises en question, mais il y a surtout, ce qui ressort, à mon sens, deux idées qui sont importantes, celle de l'urgence. On ne va pas pouvoir attendre éternellement pour pouvoir agir. Il faut agir vite. La deuxième idée qui me paraît importante et qui s'exprime, c'est celle aujourd'hui de faire prévaloir ce qu'on appelle la justice. Autrement dit, que ceux qui ont été à l'origine de la pollution, eh bien, on paie les conséquences tous. Et troisième élément,
c'est qu'il ne pourra y avoir de transformation et de changement sans mobilisation de tous, mobilisation des États, mais pas les seuls, si les États ne sont pas poussés par le bas, on n'ira pas très loin, mobilisation des collectivités, mobilisation des communautés et surtout mobilisation citoyenne sont les éléments qui vont nous permettre d'aller de l'avant. Voilà donc les leçons que l'on peut tirer de ces COP28. Alors, l'année prochaine, en Azerbaïdjan, est-ce qu'on fera un pas de plus sur la voie de la sagesse? Rien ne nous permet de dire pour l'instant que nous en avons pris le chemin. 2 ans plus tard, nous serons à Belém, au Brésil. Est-ce qu'on fera un demi-pas de plus? Rien pour l'instant ne nous permet de dire que nous en sommes sur le chemin. Mais en tous les cas, s'il y a un chemin à tracer, c'est nous qui allons le tracer, nous, citoyens, en prenant les responsabilités qui nous importent.